le guet, nous avons rechaussé les bottes de 7 lieues pour reprendre la route des étalons 2014 en ce dimanche de février. Et nous commençons juste à côté de Deauville, de l'autre côté de Trouville, au haras de la Croissenay. Ici même, où il y a deux jeunes étalons typés obstacles, c'est Blue Brésil et Diamond Boy que Jean-Charles Aimet, le directeur des lieux, nous présente immédiatement. Alors on se retrouve avec Jean-Charles Aimet, haras de la Croissenay. Un jeune étalon revient à la maison pour une année cruciale, c'est Blue Brésil. Il revient et c'est ses premiers 3 ans cette année. Comment ça se présente ? Ça se présente très bien, on a déjà vendu pas mal de saillies. Et il vient de faire son premier gagnant là, à Chantilly la semaine dernière. Et on n'a que des bons bruits sur les chevaux qui sont à l'entraînement. Tout se passe bien pour le moment et je pense qu'il devrait faire une bonne saison. Je pense que c'était important qu'il ait fait son premier gagnant juste avant la route des étalons. Ah ouais, c'est super. Et ça va nous apporter plein de juments pour la saison. Les bruits, donc on parlait des les bruits, c'est quoi chez les entraîneurs? Il y a beaucoup d'entraîneurs différents qui en ont, comment ça se passe? Oui, il y a plusieurs entraîneurs d'obstacles de renom qui ont un Blue Brésil ou deux et on n'entend que du bien. Voilà. Même en plat, ça devrait. Il va être polyvalent, je pense. Alors Diamond Boy, encore un tout jeune cheval qui a ses premières lignes. Est-ce qu'on est là vraiment dans le registre de l'obstacle et qu'est-ce qui attire l'œil chez Diamond Boy? Diamond Boy, oui, on est en plein dans l'obstacle. Et lui, c'est sa prestance, c'est un beau cheval avec de la taille. Et il a un poulain de l'année dernière, le frère de Lagunac, qui fait parler de lui et qui nous envoie beaucoup de clients. Comment ça? Quelques détails sur ce poulain. Où est-il? Que se passe-t-il? Il est chez Monsieur Le Red et il sort un peu de l'ordinaire et tous les gens qui le voient, il est vraiment très beau. Et on a eu plusieurs poulains, des beaux poulains avec de beaux modèles. Oui, donc parce qu'on rappelle, les premiers poulains, ce sont des yearlings. L'année dernière, et il y a 2 ans, comment a-t-il sailli? Il a sailli beaucoup de juments d'obstacles essentiellement ou des juments de plat qui cherchent du modèle? Oui, non, les 2 années, il a sailli une petite quarantaine de juments et des juments d'obstacles. Les 3/4, que d'obstacles de toute façon. On est à fond sur l'obstacle. En digne fils de Monseigneur. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci.